forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. Ministre d'État, membre honoraire de la Chambre des représentants belges, François-Xavier Dedonné, accompagné de l'ambassadeur de Belgique en RDC, a été reçu en audience le mardi 20 juin 2023 par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo. La présence des milices et des terroristes du M23 dans les parcs de Virunga, au Nord Kivu et de Garamba, en Haut-Ouélé, ont été au centre de leurs entretiens. L'insécurité créée par les forces négatives étrangères et locales préoccupe les autorités tant internationale que nationale pour la sauvegarde de l'écosystème de ces patrimoines de l'UNESCO, a fait savoir l'homme d'État belge au sortir de cette audience. Je crois que l'essentiel de notre conversation cela a été les problèmes de sécurité au Nord Kivu et nous avons voulu donc informer le vice-premier ministre Bemba des efforts que fait le parc des Virunga pour contribuer à la sécurisation au Nord Kivu. Nous sommes donc un acteur important sur le plan de la préservation de la nature au Nord Kivu et nous sommes aussi un acteur important du développement économique au Nord Kivu. Donc en tant qu'administrateur du parc de la Garamba et de la Virunga, je voulais donc informer le ministre de ce que nous faisions tant au niveau Virunga qu'au niveau du parc de la Garamba, au point de vue de la sécurité des populations et du développement économique des populations. Mais nous essayons de sécuriser autant que possible les populations locales. Nous sommes victimes d'attaques de Maïmaï essentiellement pour le moment. Et donc nous devons sans cesse repousser des attaques violentes contre le personnel du parc des Virunga. Nous avons déjà perdu 15 gardes cette année. La situation au nord où elle est dans le parc de la Garamba est pacifiée, donc là nous n'avons pas de problème de milices locales, mais au parc des Virunga, la présence des milices locales, indépendamment de la présence du M23 qui est aussi extrêmement gênante, nous pose beaucoup de problèmes. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, a reçu le jeudi 15 juin dernier dans son cabinet de travail la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et représentante spéciale chargée de la question des violences sexuelles en période de conflit, Madame Pramila Patel. L'entretien entre les deux personnalités a tourné autour de l'accroissement des cas de violences sexuelles constatées récemment dans les camps de déplacés au Nord Kivu, en dépit des efforts fournis par les gouvernements ainsi que les FARDC pour mettre un terme à ces pratiques afin de mieux sécuriser et protéger les populations déplacées. La diplomate onusienne s'est dite satisfaite de son échange avec le vice-premier ministre et a salué les efforts fournis par les FARDC dans le cadre de lutte contre les violences sexuelles liées au conflit.
J'ai eu un entretien très cordial, très franc avec le ministre de la Défense. J'ai situé le contexte de ma visite qui est par rapport à la recrudescence des cas de violence sexuelle liés au conflit, surtout dans les camps de déplacés à l'est du pays. Et je lui ai fait part d'une visite que j'ai faite à Goma mardi et mercredi, hier et avant-hier, et les victimes que j'ai rencontrées. Je lui ai évoqué la question sécuritaire qui prévaut dans les sites et autour des sites, et je l'ai imploré à s'assurer de la sécurité de ces femmes et de ces filles qui sont très très vulnérables. J'ai salué les efforts de la FARDC, mais je lui ai demander de continuer les efforts, que ce soit en matière de justice militaire, mais aussi dans tout ce qui est formation des membres de la FARDC. Parce qu'il s'avère que depuis 2013, la FARDC est listée dans l'annexe du rapport du secrétaire général, et je lui ai proposer qu'on travaille davantage sur une feuille de route qui pourrait amener au delisting de la FARDC, qui a une résolution du Conseil de sécurité qui établit une feuille de route, c'est-à-dire le passage de listing au delisting, les efforts qui seront requis. La mission régalienne de FARDC, la loyauté de l'armée, la discipline et l'encadrement des militaires ont été au centre de la causerie morale tenue par le lieutenant général Tshiwoyi Songue Sakrisian, chef d'état-major général, le vendredi 16 juin 2023 au camp lieutenant-colonel Kokolo. Après la mission de FARDC, la loyauté qui ont fait l'objet de notre premier et deuxième extrait, le général Tshiwoyi Songue Sakrisian a prêché la discipline. Il a à cet effet insisté sur l'accoutrement et les soins corporels des militaires, l'utilisation abusive des militaires dans les gardes des Indo-Pakistanais, de certains politiques, de certains membres des familles des officiers et dans les carrés miniers, mais également l'inicité du commandement. Oui, ami Sato. Discipline. Tombo na kayango d'abord na elakeli. Na oyobadengi. Soins corporels, il y a eu soldats, dans les troupes en revue, dans ce foutakuna, les soldats mandef. Dans le sous kata mandef, on dirait les musiciens. Oh, kata mandef, on s'en est pas dessin, on s'en est pas soldat, il y a pas dessin, zarakate. Commandant, ceux qui ont les soldats, ils ont kata mandef, bongo, on a raté la formation. Parce que la formation militaire, soldats, ils ont long à kate. Mais on a long à kate. Soldats ont donc attendu pour le corps de musiciens. Autant qui va trace partout. Soldats ont été utilisés par savon, par antiseptique, par pommier rouge. Soldats, aux armes, va faire même ma casse. Est-ce que Moutou d'ailleurs ça fonctionnait bien? Nassina Koma Mikanda,
Kola Tabere, la garde républicaine était. Des gardes républicaines, yaka osenga totingi kayokuna. Les commandos. Bola tababere à GRT. Oh, bere na moni kuneza à GRT. Commandant l'ombola yako. Yo, 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 la tabere noire. Aux la force aérienne, la tabere n'a bien ceux qui bleu. Même à ta oyoti pour la ta problème exacté. Mais pour la tabere, il y a garde républicaine de terre. Parce que l'homme, au volant d'un air, c'est l'inabango. Et ça, bongo. Bongo, mon bimba. Et tout calibongo. La ta oyoti, ça y a Jean Daïwen, Bazatam, il y a des passes, Bazat est pédé.
Kassaï Faustan, avec ses effets militaires, a été arrêté alors qu'il revenait de Pluto en direction des Mongoualou pour éventuellement moraliser la milice Zaïre et ses alliés dans les buts d'endéer encore une fois de plus les Ituriens. Devant la presse et membres du comité provincial de sécurité, cet officier de liaison a cité la chaîne des commandements actuelle dans les camps de la milice zaïroise.
Saudi, Panamutangi, Gina Fabrice, Mangineco Gautier, Mangineco Marine. Avec un ton ferme, plan de détermination pour défendre l'intégrité du territoire national, le gouverneur de l'Ituri et commandant d'opération, le lieutenant-général Luboyanka Chama Dioni, a implémenté les forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent jour et nuit pour une cause noble. Et ce monsieur que vous voyez là a eu comme mission... Je pense qu'il doit être quelqu'un chargé de morale et tout. Il a eu pour mission d'aller déposer, vous voyez, ces tenues-là. Cette tenue, parmi ces tenues, il y a celle-là. Cette tenue, c'est une tenue que vous avez vue à Goma, que le M23 mettait. Et vous savez pourquoi ils ont mis ça. L'autorité provinciale a mis en garde tous ceux qui complotent actuellement pour attaquer la ville de Bounia. Nous avons toutes les informations. Venez, allez, vous allez encore attaquer Bounia. Venez arriver à Bounia. Parce que vous pensez que vous êtes fort. Et là, je parle à toute la population, toutes les communautés ituriennes. Je vous prends à témoin encore aujourd'hui. Parce que le jour où ça va arriver, le jour où ces gens-là vont oser, je ne voudrais pas que les gens commencent à dire des histoires. Ah, vous savez, oh, massacre, ou ceci, ou cela. Là, vous êtes en train d'être prévenus. Pour l'heure, tous les actes macabres posés par les fauteurs des troubles et tireurs de ficelles sont documentés. Nous sommes en train de documenter, acte par acte, tous ces politiciens là où on voulait savoir s'ils étaient impliqués. On le sait maintenant qu'ils étaient impliqués. Lors de la présentation de cet officier de liaison entre les terroristes du M23 et la milice Zaïre, quelques Ituriens ont manifesté un sentiment douloureux au regard du malheur des plus calés frappés. Cette population, longtemps meurtrie, d'où un encouragement impératif au service des défenses et de sécurité à Ituri, avec en leur tête le lieutenant-général Luboyanka Chama Dioni. Dans le cadre du module Reconversion professionnelle dispensé à l'École supérieure d'administration militaire, les stagiaires de la 6e promotion de l'École supérieure d'administration militaire ont reçu une visite d'études des experts congolais de ces domaines venus de l'Institut national de préparation professionnelle, du Service national, du Corps de protection des parcs nationaux et de la FRIDEX du lundi 12 juin au jeudi 15 juin 2023 au Tchèze. Au cours de ces 4 jours de travaux, ces experts ont partagé leurs expériences avec les stagiaires. Motif de satisfaction du général de brigade Elumba Monga, commandant de l'École supérieure d'administration militaire, qui a exprimé sa gratitude aux intervenants. Je voudrais vous remercier pour votre bien sur la reconversion et l'insertion. Et comme le texte existant prévoit l'encadrement des militaires fin carrière en vue de leur insertion, donc je crois que nous pouvons profiter de cette assise-là pour, en vue d'une certaine réconversion. Parce que l'encadrement, là, en fait, ceux qui n'ont pas de spécialité, il faudrait que vous leur donniez une spécialité qui puisse leur permettre de... Après un jeu de questions-réponses au terme de chaque exposé, le directeur technique de l'INPP, M. Nkongolo Paul, a saisi ce moment pour souhaiter une franche collaboration entre l'armée et cet institut. Honoré d'être invité aujourd'hui pour intervenir à l'École supérieure d'administration militaire. Je me suis retrouvé en face au cadre de l'armée et des armées. Il y avait des dénuements. Du centre africain, du Camerounais, du Congolais de Brazzaville et du Congolais de Kinshasa. Nous avons l'impression est très bonne et par rapport aux questions que j'ai eues dans nos échanges. J'étais en face de vos cadres qui ont posé des questions concrètes. Et j'ai vu aussi leurs soucis sur le sujet qui était abordé concernant la reconversion professionnelle. L'armée a besoin à ce qu'elle soit en contact avec son institution étatique de formation professionnelle qui est l'Institut national de préparation professionnelle. Et nous étions en face du général chargé du commandement de l'école. Et je pense qu'il va, dans un plus bref avenir, formaliser les choses afin que la reconversion puisse se faire d'une façon ordonnée et officielle entre nos deux institutions.
15 mai au 15 juin 2023, un mois s'est déroulé depuis le début de l'opération de recensement et d'identification des habitants du camp lieutenant-colonel Kokolo. C'est pour vérifier l'effectivité du travail réalisé par le commandant 14e régiment militaire et commandant place vie province de Kinshasa, le général-major Stazin Kizimou est descendu le 15 juin dernier au poste de camp Kokolo. Motif, se rendre compte de l'avancement de l'opération. Sur le terrain, Madame ingénieure Claudine Loukoki, chef des projets de l'Agence nationale d'aménagement du territoire, a présenté les résultats de l'opération et les difficultés rencontrées au commandant 14e régiment militaire. Accompagné de quelques agents de l'ANAD, structure partenaire de ces projets, le général Stazin fait la ronde des quartiers 14 et 15 et a même assisté à une séance d'identification des ménages pour constater les méthodes utilisées par les recenseurs. Profitant de cette occasion, le commandant 14e régiment militaire effectue une visite surprise au bataillon quartier général de son unité. Il a inspecté respectivement le magasin d'armement, la cuisine collective et les installations sanitaires. Au terme de cette visite, le commandant 14e régiment militaire et commandant place ville province de Kinshasa a déclaré ce qui suit.